Étudiant de l'EPFL, vous êtes libre. Libre d'aller à la bibliothèque. Quand vous le voulez. De 7h à minuit. Tous les jours de la semaine. Les bibliothécaires vous accueilleront. Allez-y pour vos études, il le faut. Pourquoi m'as-tu fait venir aujourd'hui? Allez, montre! Vas-y! Allez, regarde! Montre-lui! Pardon. Je vais ramasser. La bibliothèque informe que tous les étudiants sont inscrits automatiquement à la bibliothèque et peuvent venir faire valider leur compte avec leur carte Camille Pro. C'est une blague. Tu comptes y aller toi aussi? Mais oui, c'est facile, c'est trop bien! Pour photocopier ce livre, connaissez-vous une bonne adresse? Je suis assez pressé en fait. La bibliothèque est le meilleur endroit. Vraiment? Merci. Peut-on aussi scanner le document? Oui, c'est gratuit. Et on peut aussi s'envoyer le PDF par mail. Je suis nouvelle ici. Auriez-vous quelques conseils? Des conseils? De quel ordre, ma chère? Pour travailler en groupe ou seule, vous voyez? Il y a la bibliothèque pour cela. À la bibliothèque? Vraiment? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de place pour travailler. Il y a beaucoup de travail pour les études. J'imagine. Vous y trouverez plus de 800 places de travail. Des zones calmes, des zones silencieuses. Des bulles pour le travail en groupe. Elles sont réservables à l'accueil du Rolex Learning Center. Vous pouvez également vous installer sur les poufs. C'est très confortable, les poufs. Je suis perdu. Comment me retrouver ici? Parmi toute cette documentation, il y a tellement des e-books, des périodiques et tous ces livres. J'aurais besoin d'un bon moteur de recherche, un site web. Regarde ce que j'ai trouvé à la bibliothèque. Penses-tu vraiment que je dois lire tous ces livres? J'en ai déjà lu tellement. Je te signale qu'il s'agit des livres recommandés par les professeurs. Ils te seront utiles pour tes études. Combien de temps puis-je les garder? Je peux les garder 2 semaines. Il y en a plusieurs exemplaires de chaque. Et où se trouvent-ils? Ils se trouvent dans la collection d'enseignement. C'est en face du guichet principal. Et si jamais, tu peux utiliser le moteur de recherche. Ça s'appelle Beast. Ah, Mormon, j'ai emprunté plein de livres à la bibliothèque, mais je ne sais pas quand est-ce que je dois les rendre et je ne sais pas comment prolonger. Est-ce que tu peux m'aider? Connecte-toi à ton compte utilisateur en ligne sur la page d'accueil du site de la bibliothèque. Tu peux consulter la liste de tes prêts, les prolonger, savoir quand tu dois les rapporter. Et comment est-ce que je fais pour me connecter? Il te suffit de te connecter avec ton identifiant et ton mot de passe, Gaspard.
Cool, hein? J'ai entendu qu'il faut qu'on se procure des polycopiés, mais moi je sais pas ce que c'est un polycopié. Tu peux m'aider, toi, ou pas? Un polycopié. Tu ne sais pas ce qu'est un polycopié? C'est le support de cours élaboré par les professeurs de l'EPFL, pardi. Un document indispensable pour tes études. Et pour ta gouverne, tu peux les trouver en vente à la librairie La Fontaine. Ouais, en vente. Moi, j'ai pas de sous, quoi. Où est-ce que je peux les avoir gratos? À la bibliothèque. Ils sont juste derrière le guichet d'accueil. Moi, je vais pouvoir emprunter. Où est-ce que je peux emprunter? Je sais où tu peux en emprunter également. Je connais l'endroit et peux t'y conduire. Montre-moi! Allez, monte! En avant, ma belle. Direction le sous-sol de la bibliothèque. Je t'emmène à la découverte de l'antre polycopié. Tous empruntables pour 28 jours, voire plus si tu souhaites prolonger le prêt. Oh, j'espère que c'est pas une blague, hein. Allez, viens, on y va. J'ai pas trouvé le bouquin que je voulais dans Beast. J'ai dû l'acheter. Petite sotte. Vous ignoriez donc que vous pouviez l'obtenir grâce au service de prêt interbibliothèque? Complétez le formulaire en ligne et les bibliothécaires le chercheront pour vous. Autre chose, pauvre ignorante. Vous pouvez aussi suggérer l'achat d'un livre au bibliothécaire. Souvenez-vous-en. J'ai besoin d'aide pour une recherche documentaire. Vraiment? Je n'arrive plus à trouver de livres. Voyons. Vous pouvez vous adresser à la bibliothèque. Ils ont un service d'aide. Des formations. Ils sont là pour vous aider. Vous aider à faire des recherches pertinentes. Non. À citer, faire des références bibliographiques. Ils sont vraiment forts. Mais pour les travaux de groupe, est-ce que vous pensez qu'il est possible de venir à plusieurs, avec des amis? Bien entendu. Et comment puis-je les contacter? Il vous suffit de venir au guichet. Ou alors d'aller sur le site web. Merci beaucoup, j'irai voir. Comment accède-t-on aux ressources électroniques de la bibliothèque? Le Gaspard. Oui, mais encore? Pour les membres de l'EPFL, il faut simplement utiliser le Gaspard et le réseau EPFL. Ou, si tu es chez toi, tu peux utiliser le VPN, qui veut dire Virtual Private Network. Que fais-tu là, ma mignonne? Tu as besoin d'aide? Je dois contacter la bibliothèque. Tu peux leur envoyer un email. L'adresse, c'est question avec un s.bib@epfl.ch. J'ai une réponse dans les 24 heures? Oui. Non, mais c'est pas vrai. Sinon, tu peux leur téléphoner au 021-693-21-56. Et puis, il y a toujours le guichet. T'as compris? Le guichet? Oui, le guichet. Alors j'irai. Promis. Tu es perdu. Tu ne sais pas où est la bibliothèque. Pourtant, c'est facile d'y aller. Dans le Relax Learning Center. C'est le grand bâtiment blanc. Au loin, en forme de vague. Oui, les vagues. Je peux t'y emmener si tu veux. Avance. Je crois que tu connais rien, Jon Snow.